les amis, c'est Oxy et aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse vidéo que vous avez tant attendue, la vidéo en compagnie de Oxydad. Hello, bonjour. Alors, mon papa c'est un petit peu comme ma mère, il connaît pas Minecraft donc il va débuter dans cette vidéo. Vous l'avez beaucoup attendu, ça a mis un petit peu de temps parce que mon père il a beaucoup de travail à côté. Donc du coup, le voilà enfin en ce samedi, donc du coup ça va être les mêmes règles que maman. Donc, oui, mais eux, ils verront les vidéos samedi. D'accord. Voilà, donc on est samedi. Voilà, tu as tout cassé. Donc, pour ton premier jour de survie, tu te rappelles des bases. Il va falloir que tu ailles couper du bois, que tu te fasses tes premiers outils. Donc, tu vas devoir survivre 2 jours et 1 nuit. Ouais. Et après, tu iras faire le défi donc, de faire ta maison. Donc, tu te rappelles les touches pour te déplacer, c'est Z, Q, S, D. Donc, Z vers l'avant, S vers l'arrière, Q vers la gauche et D vers la droite. Ok. Il fait relativement chaud, les gens, aujourd'hui, on est tous les deux en train de... On a très très chaud, il faudrait un ventilateur aujourd'hui. Donc une fois que tu auras coupé tout cet arbre, tu vas pouvoir te crafter la table de craft... Non, il faudrait que tu montes sur le bloc qui est juste devant toi. Hop, voilà, et là tu peux continuer. Tac. Ouais, déjà, il dirige un petit peu mieux la caméra. À mon avis, on va pouvoir faire des trucs un petit peu plus poussés. J'ai hâte de t'emmener dans le donjon, que tu commences à te faire attaquer par des monstres. Voilà, donc, la table de craft, tu te rappelles comment faire? Non, je sais. D'accord. Et bah, tu ouvres ton inventaire. Donc maintenant, t'as accès à tes 9 cases, donc il va falloir que tu te fasses... je veux que tu te fasses une pelle, une pioche, et eux, on va faire que ça. Après, on va passer directement à l'épée en pierre. Donc du coup, il faut que tu te fasses des bâtons. Non, c'est l'inverse. Ouais, c'est ça. C'est impossible à reconnaître. T'es un expert pour reconnaître la pierre. Mais non, ça se voit, c'est pas les mêmes textures. Moi je vois des petits carrés partout. Oh, c'est nul de dire ça, c'est pas gentil hein. Tu vas t'attirer des... Je vois bien qu'il y a du vert, il y a de la pierre un peu plus grise, et de la pierre... Enfin, moi c'est juste des nuances de gris. Des nuances de gris. 50 nuances de pierre. C'est pas 50 nuances hein. Ouais super. Donc la pierre dont t'as besoin, t'en as que 6, donc c'est celle-là, la celle que t'es en train de casser en ce moment, c'est celle-là que je veux que tu récupères. Donc tu fais la différence quand même entre celle que je veux que tu récupères et celle-là. Qui... Non, celle-là. Non, celle que tu cassais juste avant. Ah, celle-là, là. Celle-là, là. Non, l'autre en dessous. Ça, voilà, c'est ça que je veux que tu casses. Tu vois quand même la différence. Ouais. Et donc celle-là, quand tu la casses, ça va te donner de la cobblestone et ça va te permettre de faire tes premiers outils. Donc il va falloir que tu récupères... Celle-là, ouais, celle-là, oui, c'est la même chose, mais tu vois bien. Il est perdu. Il est perdu, le papa. Donc il va te falloir une vingtaine de pierres. Et donc pour placer un bloc, tu te rappelles, c'est clic droit. Une maison, c'est 4 murs, je pense que tu devrais t'en sortir. Alors fais pas trop grand, parce que sinon il va te falloir encore plus de terre. Ah, et que c'est juste un abri pour la nuit. Pour la nuit. Voilà. Un abri en terre pour la nuit. Dormir dans un abri en terre cette nuit. Bah, c'est bien, t'as compris. Je suis vraiment surpris, ça fait plaisir. Ça fait vraiment très plaisir. Non, faut que tu sautes là, tu peux pas placer un bloc dans tes jambes. Ah bon? Ah bah non. Non, recule un tout petit peu, c'est parce que t'es dans le bloc, là t'as la tête dans le bloc en fait. Voilà, c'est bon. Ce sera toi le berger, puisqu'il n'y a personne sur cette planète, tu es tout seul. Ah bon? Tu es un naufragé sur un endroit où il n'y a pas d'eau. Ah, là t'as rebouché ta porte. Ah mais? Casse le bloc. Non, celui-là. Non, celui-là. Ouais. Okay. Celui-là à droite. Bah, celui qui est au milieu de ton écran, non? Lui là, voilà, lui. Il est gros lui. Bah. Pourquoi il est gros comme ça? Tu n'as pas fait un gros bloc? Casse-le. Ouais, très bien. Donc maintenant, il va falloir que tu fermes, que tu fasses que toi. Mais pourquoi j'arrive pas à faire celui-là, là? Mais avance-toi, justement. Avance-toi, regarde, avance. Et pas peur, t'inquiète pas, tu vas pas te faire agresser. Avance encore, avance. Voilà, et tu regardes la paroi, ici, et tu fais clic droit. Vas-y, clic droit, super. Donc maintenant, non, c'est pas fini, reste à l'endroit où t'étais. Tu vas placer... Ah, il veut te rendre visite. Je peux manger. Oui, si tu prends ton épée, tu peux le tuer, t'auras de la viande. Tu prends l'épée en pierre. Et vas-y, agresse-le. Tue-le, le mouton. Ah non, ça c'est clic... Non, clic gauche. Voilà, super. Hop. Ah bah, il t'a rien donné. Bon. Tac, donc c'est ici. Non, gauche. Là, elle est là. Donc vas-y, casse-la. Tu peux la casser à la main. Pourquoi je la casse? Bah, pour la mettre dans ta maison. Parce qu'en fait, je quand peux tu... peux pas l'emmener. Hop, bah si, voilà. Là, tu l'emmènes avec toi. Faut que je la casse pour l'emmener. Voilà. Ah, mais c'est ma bergerie, ça. Donc vas-y, place ta table de craft. Et maintenant, vas-y, place. Voilà, tu fais clic droit. Hop, et voilà, t'as une porte. Bon, ah ça, yes, fait un, ça fait un petit... protéger des zombies. Voilà, ça fait un petit peu porte de prison. Ouais. Mais elle est pas très, très... très, très cosy, ma maison, là. Elle a pas une fenêtre.
Alors, avant de faire une fenêtre, tu vas devoir faire un four. Un four? Oui, tu vas faire un four. Donc du coup, tu vas aller dans ta table de craft, encore une fois. Ouais. Ah, merde, ah, tu regardes. Oui, donc tu restes appuyé et puis elle va se casser toute seule. Ok, ah, super. Tu l'es cassé avec une porte. Tu casses une porte avec une porte. Donc clique droit sur ta table de craft. Face de toi, vas-y, casse le bloc. Ouais, vas-y. Maintenant, tu prends les barrières. Je prends les barrières. Voilà, et tu fais clic droit sur le bloc. Non, non, là, t'as mis à l'extérieur. Voilà, là, vas-y, clic droit. Voilà, super. Ouais, super fenêtre. Super fenêtre. Et c'est là qu'il m'a fait faire une prison. Il m'a mis en cellule. Je voulais enfermer son frère. J'ai pas de clé pour ouvrir la porte. Mais t'as pas besoin de clé, c'est Minecraft. Bon bah je te propose de finir ta prison, on refait une fenêtre tant qu'à faire. À un autre endroit. J'ai pas de four. Non, il faut que tu le fasses ton four. On va le faire tout à l'heure. Je vais brûler. Voilà. Ah, je remets une fenêtre en bois. Vas-y. Voilà, plus loin. Ah, j'ai de la chance, j'ai une prison de 9 mètres carrés. J'ai pas de lit. Et j'ai deux petites fenêtres. Et une porte qui ressemble à une porte de prison. Donc maintenant tu vas bientôt avoir faim, donc tu vas aller chasser. Ah voilà, maintenant tu vas aller chasser. Donc, tu vas prendre ton épée et faire clic droit sur ta porte. Comment j'ouvre ma porte? Clic droit. Ah, voilà, c'est bon, magique. Tu peux sortir. Donc prends ton épée. Oh attention, cours. Ouf. C'est quoi ça? Ouf, c'est un poulet. Un poulet. Mais il y a un creeper derrière. Je mangerais bien, toi. Bah prends ton épée. En finesse, il y avait un creeper derrière toi, il allait exploser ta maison. Prends ton épée, tu vas jamais réussir à le tuer. Mais sinon. Merde. Je croyais que j'avais mon épée. Take my hand, I'll teach you to dance. I'll spin you around, won't let you fall down. Would you let me lead? You could step on my feet. Attention, il y a un trou, il y a une plaque de pression en bas, donc le but c'est pas que tu tombes dessus. Ah bon? Mais faut que tu arrives à descendre en bas, donc je vais te laisser trouver un moyen de descendre en bas. Ah! Oh, je crois que t'as marché dessus. Boum! La respawn? C'était piégé, il y avait des TNT. D'accord. Alors, tu peux y retourner dans le donjon, maintenant il n'y a plus de risques, hein. t'as éliminé tous les risques. Regardez, il est même pas centré sur le bloc. Oh là là, maintenant... Ah non, non, il va retomber. Il va retomber, il saute en suspension, tu dis vite, ouh, il va tomber. Ah putain, c'est bon. Ah et puis, bah le soleil commence à se coucher. Voilà, il faut rentrer vite à la maison. C'est de l'autre côté, ta maison. C'est de l'autre côté. Je peux courir, j'ai plus à manger, mais... Si, tu peux courir. C'est quand tu descends... Je me dépêche parce que... C'est à gauche, c'est à gauche. Je vais avoir des ennuis. Tu vas avoir des ennuis. Le soleil se couche. De toute façon, t'as plus de ressources, là, tu n'as plus rien, on va devoir attendre pour la nuit, tu vas rien pouvoir faire. Donc du coup, comme je t'avais dit, ton but c'était de survivre deux jours une nuit. L'objectif a été plus ou moins atteint, bon on va dire que t'as eu le droit de mourir deux fois entre temps quand même. Donc on va s'arrêter pour cette petite partie de survie qui aura duré quand même déjà 30 minutes. Ah ouais. Oui. Et donc du coup on va se retrouver tout de suite pour la partie créatif où mon père justement va fabriquer la maison de ses rêves. Donc du coup les gens on vous dit à tout de suite. J'aurais bien mangé du poulet. Bah y'a plus de poulet.
Ok, re les amis, ça y est, c'est bon, on est parti donc à la, pendant pour cette phase créative où mon père donc va fabriquer sa maison. Donc comme minerai, comme matériau, tu as de la pierre, du bois, du verre, des vitres, une porte et des escaliers. Et donc du coup tu vas pouvoir te faire ta maison. Après, si tu veux changer un petit peu les matériaux de ta maison, rien ne t'empêche d'ouvrir ton inventaire et de choisir le bloc que tu veux, puisque là, dans le mode de jeu où je t'ai mis, tu as accès à tous les blocs à l'infini. À l'infini. Ah, c'est génial. Donc du coup, eh ben, je te laisse fabriquer ta petite maison. Ouais, ma grande maison. Oui, ta grande maison. Je vois que t'es en train de faire une baie vitrée de grand malade. Ouais. Tu feras où ta porte, là ? Pas ici. Moi, pas je peux ici. Te donner sur ma piscine. Voilà. Il y a son étang à côté, c'est la piscine. Voilà. Ah ouais, le mouton, dégage. Dégage, sinon j'ai le bouffé. Clic gauche pour le faire tomber. Eh, hey, tu vas pas dans ma maison, mouton. Eh hey, les gars, j'ai un mouton dans ma maison. Merde, j'ai cassé ma... Ah. Faut que je Oh mon dieu. Et puis le mouton, il t'a pris un Christ. Hein. Ça va être ton nouveau... amoureux, mouton. Ça va être ton nouveau pote. C'est mon pote. Faut que tu lui donnes un nom du coup. Je vais l'appeler, je sais pas moi, mouton, comment ça peut s'appeler Bébel Mais. Mais Mais ça va être Mais le mouton. Ok, re les amis, donc il y a eu une petite ellipse de une journée pratiquement, comme vous pouvez voir. Moi j'ai une chemise, mon père a un polo, tout simplement parce qu'entre temps il s'est passé une nuit, donc du coup on a eu le temps de changer de vêtements quand même tous les deux. Donc du coup, là, on se retrouve. Mon père continue de faire ça. Oui, c'est clic droit. Tu te rappelles pour poser ? Et tu peux appuyer deux fois. Voilà, tu te rappelles ? Tac. Bon, c'est bon. Il se rappelle à peu près des touches. Donc tu vois, là, je t'ai mis les shaders. Je sais pas ce que t'en penses. Minecraft, c'est peut-être un petit peu plus beau. Ouais, c'est beau. Donc t'as les ombres et tout ça qui sont ajustées. On l'a pas fait pour Oximum. On aurait dû le faire. Le fond vert a bougé parce qu'on a fait des tests tout à l'heure. Et à mon avis, le fond vert sera fonctionnel très prochainement. Très prochainement. On a peut-être trouvé la technique. Donc là qu'est-ce que... Donc tu vas faire comme on avait dit, tu vas mettre du bois en haut pour sur le verre, ok super. Donc il nous a fait une magnifique maison panoramique. Une petite maison panoramique. Et d'ailleurs papa, avec maman on avait fait une sélection de questions. Donc bon j'ai plus la sélection mais je me rappelle des questions à peu près. Donc du coup je vais te poser 4 questions. Et tu vas devoir répondre à ces 4 questions, d'accord? Ouais. Ok. Alors, donc je vais mettre le micro un peu plus vers toi, histoire qu'on entende ta réponse. Tac. Alors, que penses-tu de la chaîne Oxylac ? Moi, je trouve ça assez sympa. C'est, ça a pris beaucoup d'ampleur. C'est très sympa de faire ça. Voilà. Après, je suis un peu perdu dans les touches. Alors, j'ai un peu de mal à répondre en même temps. Voilà. En fait, je me suis planté. Fallait pas que je construise un truc. Je vais être obligé de le détruire. Oui, non, c'est sur le verre qu'il faudrait que tu mettes le bois, en fait. Alors, deuxième question, que pensais-tu de la chaîne au début, quand j'ai lancé ma chaîne ? Qu'est-ce que t'en pensais, toi ? Au début, bon, je trouvais que c'était amusant, quoi, en fait. Hein, c'est... Ah, voilà. Non, mais moi, je veux le faire au-dessus, le... Oui, voilà, mais envole-toi, comme je t'avais montré. Ah, d'accord. Donc la question, la chaîne Oxylac, au début, moi je trouvais que c'était rigolo, ça te permettait d'avoir un lieu où t'exprimer, et puis voilà quoi. Donc on t'a jamais lésé par rapport à ça, on t'a toujours laissé faire, et ça a porté ses fruits, voilà. Alors troisième question, donc celle-là, elle est pour nous deux, en fait, c'est toi qui vas y répondre, mais elle est posée à moi. Tes parents t'ont-ils toujours soutenu dans ta chaîne ? Donc m'as-tu toujours soutenu dans ma chaîne ? Bah, dans la réponse précédente, je pense que j'ai donné un petit peu la réponse en disant qu'on t'a laissé faire et on croyait que tu aurais la possibilité de faire des choses avec ta chaîne YouTube. Et... ouais, on t'a laissé faire et voilà, je crois qu'on a bien fait. C'est des nouveaux métiers qu'on ne connaissait pas et voilà, ça peut t'amener par la suite autre chose, d'autres débouchés. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Voilà, moi, je trouve que c'est une super expérience. Merci papa. Et dernière question,
celle-là, c'est pour rigoler. Maman, elle a fait rire tout le monde en disant ça. Alors, à ton tour de faire rire tout le monde. Oxylac était-il bon à l'école? Non, très mauvais. Très mauvais, on savait pas ce qu'il allait devenir, le pauvre. Voilà, c'était... oh là là, j'ai même pas de mots pour le dire. Hein. Je me fais enfoncer par mes parents à chaque fois quand on parle des cours. Non, non, j'étais pas très bon à l'école. Il faut dire ce qu'il y a, j'ai jamais aimé ça. Et comme quoi, même sans l'école, on peut avoir des débouchés ailleurs, quoi. Faut pas perdre espoir quand on a une passion et exploiter ça au maximum. Donc moi, ma passion, c'était le jeu vidéo. Depuis que je suis tout petit, je disais à mes parents que je veux vivre du jeu vidéo. Je voulais faire testeur de jeu à l'époque, hein, quand j'étais petit. Et puis maintenant, j'arrive à vivre de ma passion grâce à ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, je ne cesserai de vous en remercier. Et plus tard, je voudrais continuer d'animer des émissions. Les escaliers, alors en fait, les escaliers, il y a une logique, en fait. Il faut que je les pose dans... Tac. Ah ouais, parce que toi, quand tu... on te demande de te faire une maison, tu fais vraiment une maison, quoi. Il fait The Maison. Je triffe en même temps. Ah ouais, je vois ça. Bon, voilà. Voilà, alors vas-y, sors de la maison et montre-nous ce que ça donne de l'extérieur. Bon, t'as pas fait le sol en bas, mais bon, c'est pas grave. Hein. Y a un... Clic droit pour ouvrir la porte. Tac, tu peux même ouvrir la deuxième. Ouais, super. Et envole-toi et fais-nous un petit tour du propriétaire. Vous voulez voir ma maison? Hop là, surprise. Eh c'est très joli. Envole-toi et fais le tour de la maison. Là. Montre-nous. En la gardant en vue. En la gardant en vue, ça serait mieux. Je prends de l'élan. C'est parti. Non, mais en fait, ce que tu peux faire, c'est que tu restes appuyé sur la touche D et tu bouges avec ta caméra. Et tu te avances avec Z en même temps que tu te décales. Voilà, comme ça, c'est très bien. Bon, écoutez, on a une petite maison, enfin une grande maison très design. Hein, moi, j'aime beaucoup. Hein, y a beaucoup de verre. On voit, on a un grand panoramique sur tout le désert. Et écoute, t'as fait une très jolie maison, papa. Voilà la maison. C'est très très bien pour un début sur Minecraft. On espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de la maison d'Oxydate. On aura répondu à la question aux questions dans cette vidéo. Donc on espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à partager la vidéo et vous abonner à la chaîne. Ça me ferait super plaisir. Sur ce, allez, salut à tous, c'était Oxydate et Oxylac. Salut. Salut tout le monde.